aveugle, je vole sans peur, je m'adapte sans difficulté. Ici, les vents sont légers. Ici, on m'a dit que la gare a pour nom Gare d'Anis. Je suis montée et descendue dans toutes les gares, jusqu'à arriver place de l'autre colonne. Les embruns de joie m'ont redonné vie, les draps flottaient au balcon et les jupes volaient à l'odeur de citron. Jour de voyage, jour étrange, jour de surprise. Je voyage d'ici à là-bas, aveugle, j'attends sur ma joue un baiser. J'entre ici, les haut-parleurs annoncent qu'aujourd'hui, c'est le festival des sucreries. Tout le monde est libre. Plus libres encore sont les enfants, comme des plumes dans le vent. Ils attendent des baisers, et moi aussi. Nicolas. Une invitation est arrivée, une lettre très courte, d'être invité là-bas, de nuit et trois journées, tout frais payé et un billet pour participer à la fête donnée en l'honneur d'un grand poète qui nous lira des poésies muettes de son dernier recueil. Je suis entrée ici, en plein midi, aveugle. Je souris au chant à l'école de l'Arc-de-Lon. Je prends le petit déjeuner, deux œufs et du pain. Deux histoires de cheval et de gazelle brisée. Quelle chance a eu Vasco de Gama de découvrir le vaste monde, de découvrir là-bas les délices de l'errance dans les grands espaces aveugles. J'ai une carte avec moi. Je suis les indications, les interdictions, les informations. J'ai une carte avec moi. Impossible de demander aux poissons, alors je questionne les gardes-côtes. Jusqu'à ce qu'ils me racontent la route des oiseaux migrateurs, où les vieux navires coulèrent et le voyage de la mer d'ici à là-bas. D'ici à là-bas, sur cette terre, un seul ici et une là-bas, aveugle, je cherche des amis. Dans les contes que racontent les marchands sur les moulins, les prodiges des félins, les serpents et leurs venins, on raconte et on rit, on mange et on boit, on s'enfuit d'ici vers n'importe quel là-bas. J'ai réservé un billet sur le bateau pour là-bas. D'île en île, je suis arrivé ici. Tout le monde est rêvé. Tout le monde est dormi et rêvé, une rêve qui tout faisait et dans lequel j'étais le héros. À 10h du matin, j'arrive, je cherche un restaurant, un hôtel, une salle de bain. À Vogue, je déteste la folle, les grosses motos, les embouteillages. Je cours dans les bouchons, me réfugie dans une station, attraper une valise discrètement. Dans la valise, un pot j'imaginais, un pot magique. J'entre et commence à manger. Et un paquet de cacahuètes entiers, avec calme et volupté. Ici au pays des embranchements, avec au croisement, je suis devenu la place. Elle prend une photo de moi et j'en prends une belle. Sous une horloge géante, sous un arc de triomphe, face au grand palais, je suis là-bas. Sur le dos d'une tortue très sage, toute petite, je porte des valises remplies de tout ce que je possède, de tout ce que je sais, mais je les abandonne pour courir. Aveugle, j'aime courir avec légèreté, car je me souviens du conseil de mon cousin. Travel like I, Loulou. Pense à voyager, Loulou. Après un court repos, j'ai repris le voyage vers le pays des poivrons, des tomates, des pastèques, des petits pois à foison, vers la plaza de la friture, vers la montagne des biscuits, vers les fleuves de sirop. La voie était lointaine, la communication difficile, mais j'ai dit. Discerner ces mots. Allô? Allô? N'oublie pas. Quelle heure est-il? Je ne t'entends pas. Tu me manques. Bon, au revoir.